Alors, aujourd'hui, une grande classique que tout le monde connaît soit en inf, soit en streamer, c'est la Montana. Alors aujourd'hui, je vais vous délivrer une version personnelle de la Montana Nymph. Très utile en réservoir, qui m'a valu aussi quelques surprises des fois sur des grandes fosses en rivière. Ou voilà. Mais en tout cas, sur les truites arc-en-ciel en réservoir, elle est redoutable. Alors, pour ce faire, un hameçon de 10 ou de 12 tiges longues, de façon à ce qu'on ait la place nécessaire, vous allez comprendre pourquoi après, pour travailler. Fil de montage noir en 6-0. Je vais tout d'abord venir plomber mon corps avec du plomb en 60 centièmes. Il faut que ça descende. Même suffisamment. Voilà. Très important, je vais revenir sur 2-3 tours en arrière. Voilà. De façon à faire un petit peu plus de lestage sur l'avant. Je coupe à l'aide d'un ciseau différent de façon à ne pas émousser mon ciseau de précision. Voilà, mon plomb est posé. Je vais venir passer une ou deux fois sur mon plomb pour bloquer correctement celui-ci et qu'il ne se mette pas à tourner quand je vais vouloir faire mon montage. Voilà, là il est bloqué, il ne bougera plus. Pour faire les cercles, je vais utiliser une plume de coq indien noire. Là, je prends quelques fibres que je vais venir poser tout simplement à l'arrière de ma mouche pour former les cercles. J'espère que vous les voyez bien. Apparemment, oui. Mes ciseaux de précision, je coupe. Voilà. L'excédent. Voilà. Ensuite, je vais venir poser une chenille, une micro-chenille noire. Avec laquelle je vais former un corps en spire jointive. Voilà, 4 tours. Et je bloque sur le dessus. 2 tours devant, 2 tours derrière. Je refais 2 tours derrière pour être sûr. Et 2 tours devant. Je laisse en attente cette chenille-là qui viendra dessus après. Ensuite, je vais prendre la même chenille, mais cette fois-ci en chartreuse. Ça donne ceci, hein. C'est une espèce de jaune-vert. Voilà. C'est surtout que c'est flashy. Voilà. Et je vais venir la poser dessus la partie où j'ai plombé un petit peu plus. Là, je fais 2 tours là. Je me suis arrêté un tout petit peu trop loin, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué que prévu pour faire mes tours, mais je vais rattraper en faisant comme ça. Voilà, hop, je bloque ma chenille chartreuse. Alors là, il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein, vous l'avez compris. Ensuite, je rabats simplement ma chenille noire dessus. Je la bloque. Quelques tours devant. Je coupe l'excédent. Voilà.
Et je vais venir former ma tête. Simplement en épaississant le fil. Voilà. Une petite demi-clé dans un premier temps pour bloquer. Et un petit wipe finish. On va refaire un deuxième. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, je vais mettre une toute petite goutte de cyanolite sur la tête. De façon à que le nœud ne se défasse pas. Et voilà une nymphe. Alors cette nymphe, très très connue, hein, okay, voilà, c'est une nymphe redoutable en réservoir. Vous pouvez utiliser différentes variantes de cette nymphe. Vous pouvez mettre sur la portion chartreuse un petit hacle noir. Voilà, qui viendra mettre un petit peu des fibres de chaque côté, qui la rendra un peu plus nageante avec un peu plus de mouvement. Voilà, vous pouvez la faire plus longue, beaucoup plus lourde, beaucoup plus légère. Bref, vous l'avez compris, c'est une nymphe qui de toute manière pourra être utilisée dans plein de conditions. Moi j'aime bien l'utiliser en pointe sur un train de deux mouches avec une nymphe un peu plus légère en potence. Ou toute seule, simplement à vue, à distance. C'est une nymphe qui a vraiment un gros potentiel, une grosse réussite sur les réservoirs de ma région. Voilà. Donc ça fait partie des nymphes dont je ne peux pas me passer aujourd'hui. Je rappelle la Montana nymphe. Bon montage !